Alors tu prends des poivrons comme ça, tu vois, droit. Parce que les tordus, c'est très dur de les griller, tu vois. Ah, ok. C'est pour ça. Et ceux-là, les petits? Voilà. Et ça, alors tu prends un rouge, tu as pris un rouge? Ouais, j'ai pris. Ça, c'est des piments piquants. Ouais. Voilà, mettre vos baies, il faut que ce soit un peu de un goût, tu vois. Et dis-moi, tu aimes ce magasin, toi? Ah, j'adore. Tu achètes que ici? Ah, je viens deux cannes pour m'en acheter ici. C'est où ici? Ici, c'est à Cannaboca. C'est magnifique. Voilà. Ça suffit. Parce que tu donnes que du bonheur. Allez, on prend ta fille. Oh là là! T'es content? Regarde ta photo. T'es heureuse, bébé? Regarde, elle a mis des vidéos de toi. Là, c'est tout petit. Regarde. Tu peux pas l'envoyer aux enfants? Oui, ça y est, j'ai envoyé. Regarde, moi, je suis ta plus grande fan. C'est beau, hein? T'es émue? Bon, dis-nous ce que tu ressens. Oh là là! Qu'est-ce que tu ressens, mémé? Ben, je pleure tellement, j'ai été choquée. T'es émue? Ça m'a touchée. Oui. Et c'est... Alors, mémé, on vient de rentrer des courses et je t'avais fait cette annonce que tu es maintenant sur I24. Ouais. On a fait un article sur toi. T'es heureuse? Ah, quoi heureux? Je ne m'attendais pas du tout, chérie, que tu m'annonces ça. Je me suis mise à pleurer dans le magasin de fruits et légumes. Je pleurais. Les gens, ils me regardaient comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Alors, j'ai dit, elle vient de m'annoncer une très, très bonne nouvelle, ma petite fille. Vous vous rendez compte? Je suis dans I24. Ils m'ont fait une interview. Oui. Et là, ils viennent de m'annoncer qu'ils sont en train de me lancer quelque chose de phénoménal. Alors, voilà. Je ne crois pas, messieurs. Je vais te lire l'article. Voilà ta photo. Elle est là, la photo. Oh là là. C'est beau. Oh là là, chérie. Comme c'est beau. Alors, je vais te lire, Mémé. Oui. Mémé Odette, première... Alors, excusez-moi, je lis pas très, très bien le français. Hein. Je suis américaine. Alors, Mémé Odette, première ministre par Valérie Abécassis. Oh. Votez Mémé Odette, inattendu, phénomène, viral des réseaux sociaux, sa vertu première. Mémé Odette fait rire et rassemble toutes les religions, tous les âges, toutes les nationalités, bref, tout le monde. Si vous avez un compte Instagram, TikTok ou bien sûr YouTube, vous devez découvrir cette petite grand-mère de 91 ans et ses 400 vidéos hilarantes. Avec ses 55 200 abonnés, maintenant on est à 56 000, tu te rends compte ? Abonnés rien que sur Instagram, elle a fait le buzz avec la vidéo de la Mlouchia, 3 millions de vues, celle du couscous au poisson, 1 million de vues, et enfin celle du café au lit avec ses bénédictions en arabe, 1 million de vues. Voilà. Alors, Mémé Odette est une Tunisienne pur jus qui se moque énormément, mange beaucoup, cuisine tout le temps et insulte ou bénit n'importe quel objet. Animal ou humain, qui passe à côté au gré de son humeur. Et en ces temps plus que durs, sa bienveillance, sa malice et son humour font mouche. Pourquoi faut-il voter pour elle? Parce qu'elle réussit à faire tomber le séparatisme et le communautarisme. Ses vidéos sont drôles, mais ce sont les commentaires qui en disent le plus. Beaucoup de juifs, séfarades, ils retrouvent leur mère ou leur grand-mère, même les Marocains et les Algériens. Et lui envoyant des gentils mots nostalgiques, mais ça c'est une évidence. Le plus intéressant, ce sont les non-juifs, chrétiens pour beaucoup, et musulmans, par milliers qui lui écrivent que des gentilles paroles d'amour et d'unité. Et ça fait hyper plaisir. Lorsque Mémé Odette prépare un plat ou met du rouge à lèvres ou même avale un café, c'est une tranche d'unité qui s'affiche sur l'écran du téléphone. Oh là là. C'est beau, hein? Oh là là. On continue? Oui, oui. D'ailleurs, c'est par téléphone que la mamie et sa petite fille Brooke,
qui gère son compte. C'est moi, Brooke. Raconte sa vie. Odette a une double culture, juive et tunisienne. Elle a grandi et vécu en Tunisie avec ses voisins arabes et n'a rien à dire d'autre que son enfance était merveilleuse. Très bien. Pourtant, cette reine des réseaux sociaux a connu la guerre avec ses 6 frères et sœurs, une maman veuve à 35 ans. Elle-même a perdu son mari il y a 17 ans. Elle a eu classiquement une vie difficile d'un point de vue économique, mais juifs et musulmans vivant ensemble et mangeant, comme elle dit, dans le même plat. Je veux transmettre le positif. La vie est remplie d'obstacles, ajoute-t-elle avec sa voix coquine, mais la vie est très belle. On prend le bien et on pousse le mal. Extra. Extra, chérie. De sa belle-mère couturière de Wassila Bourguiba, la jeune femme a appris à coudre. C'est ainsi que l'on découvre ses talents dans la vidéo de la robe de poule. Les Tunisiens habillent les poules avant le mariage de leur fille. Ça, c'est une coutume tunisienne. Les messages et les cadeaux qu'elle reçoit viennent de la Tunisie, de Sfax, de Naples, de Miami, Cannes, Natania, de Paris, de Marseille, de partout. Brooke, l'une de ses innombrables petits-enfants et arrière-petits-enfants, a eu cette idée de compte pendant le confinement, afin de rester plus près de sa grand-mère qu'elle filmait pour l'immortaliser. On l'entend d'ailleurs souvent rire, On l'entend d'ailleurs souvent rire dans les vidéos et cet amour est très communicatif, d'autant qu'à Odette, elle cartonne littéralement et on attend avec impatience désormais le livre de recettes. Le t-shirt avec le poisson imprimé des bénédictions ou des insultes de Mémé Odette. Voilà, c'est celui-ci le t-shirt, je vous le montre. Et il y a le derrière aussi avec toutes les bénédictions de Mémé. Voilà. Et bien sûr, la fête des fans en France. Il y en a déjà eu 2 aux États-Unis. La prochaine aura lieu en août en France, sur la Côte d'Azur. Je garde la gentillesse, le sourire. Ça fait beaucoup de bien. Je ne suis pas envieuse et je bénis le bon Dieu. Il nous donnera la paix, mais je vais enlever la fleur. On me reconnaît trop et quand on me demande des bénédictions, je dis, tu dis quoi ? Je suis pas Baba Salé. Ah, je suis pas Baba Salé. Voilà. C'est très beau. Eh ben, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Très bel article. Ils ont même attaché des vidéos de toi. Très, très beau. Où les personnes peuvent voir très, les très belles beau. Choses qu'on fait. Très, très beau. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, I24, d'avoir honoré Mémé Odette. Merci beaucoup, ma fille. Et d'avoir parlé merci avec elle. Merci, Valérie. Tu es gentille, oui, mon amour. Merci, Valérie, pour cette belle interview. Et je te souhaite Shabbat Shalom pour tout le monde, le monde entier. Bisous. Boy. Opa! Opa! La vie est belle!